Regarde, des traces. C'est un bébé tortue qui a rejoint la mer pour son grand voyage. Quel voyage? La maman tortue a pondu sur cette plage. Les œufs ont éclos et les bébés sont partis vivre leur vie dans l'océan Atlantique. Quand elles sont adultes, elles reviennent pondre ici, sur la même plage. Combien il y a d'œufs? Elles vont où? Elles ne se perdent pas? Qu'est-ce qu'elles mangent? Laisse-moi un peu de place pour te répondre. La tortue parcourt des milliers de kilomètres portée par les courants. Elle grandit et mange des méduses, beaucoup de méduses. Elle fait de nombreuses rencontres et partage sa vie avec d'autres animaux. Elle se cache aussi pour échapper aux prédateurs. Un jour, elle trouve son amoureux. Et elle revient en Guyane. Pour pondre, oui. C'est magnifique à voir. Mais attention à ne pas les gêner. Je sais. Il ne faut pas les éblouir en l'éclairant. On utilise une lumière rouge. Il ne faut pas les toucher non plus et leur faire peur. Et il faut empêcher les chiens de l'attaquer ou de manger ses œufs et ses petits. Sinon, elles vont disparaître. Ah non, j'aime trop les tortues. Et je suis bien content qu'elles viennent pondre ici, en Guyane. Suivez le réseau des tortues marines de Guyane. Sur Internet et sur Facebook.